Bonjour tout le monde, nous allons faire des maths collège niveau 4e, les programmes de calcul, c'est parti. Alors, il va y avoir des programmes, par exemple choisir un nombre, le multiplier par 2, soustraire le résultat par 3, et on va tester avec différents chiffres et lettres. Tester le nombre avec le chiffre 5. Donc moi ce que je conseille c'est le premier point, c'est choisir un nombre, donc là c'est 5. Deuxième point, le multiplier par 2, donc on écrit le calcul 5 fois 2, ça fait 10, et on entoure le résultat. Soustraire le résultat par 3, ce que j'ai entouré, je le mets ici, 10 moins 3, soustraire c'est faire une soustraction du coup. 10 moins 3 égale 7, et on encode la solution. Maintenant, on va faire le programme avec le nombre x, donc une lettre. Donc choisir un nombre, bah, c'est x. Le multiplier par 2, bah, x fois 2, c'est-à-dire que ça fait 2x. Soustraire le résultat par 3, donc on reprend le 2x et on fait moins 3, donc 2x moins 3. Deuxième exemple. Donc le programme, c'est choisir un nombre, le mettre au carré, ajouter le résultat par 2. Tester avec le nombre 5. 5, je le mets au carré, 5 au carré, donc 5 puissance 2. Ça fait 25. Ajouter le résultat par 2. 25 plus 2 égale 27. Donc on va utiliser les nombres négatifs. Tester avec le nombre moins 1. Donc moins 1. Donc moins 1 au carré est égal à 1. Bien penser aux parenthèses. Quand on fait un carré d'un chiffre négatif, on doit mettre des parenthèses. Le carré étant feignant, il faut lui indiquer ce qu'il doit faire. Donc si on oublie de mettre les parenthèses, le carré va juste mettre, il va juste calculer 1 au carré. Si on met des parenthèses, le carré va aussi prendre le moins. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc on prend notre résultat, 1 plus 2 égale 3. Faire le programme avec un nombre quelconque x. X, je le mets au carré, ça devient x carré. Ajouter le résultat par 2, x carré plus 2, du coup x carré plus 2. Programme un peu plus difficile. Numéro 3, choisir un nombre, ajouter 2, multiplier le résultat au carré. Donc, tester avec le nombre 5. Le nombre 5, 5 plus 2, ajouter 2, donc ça fait 7. À 7, je mets le résultat au carré, 7 au carré égale 49. Tester avec moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Avec le nombre x. X, x plus 2, j'ajoute 2, donc ça fait x plus 2. Je mets le résultat au carré, x plus 2, le tout au carré. Bien aussi à penser à mettre les parenthèses. Donc le programme 3, c'est juste, on inverse les deux lignes du programme 2 et on trouve pas du tout les mêmes résultats. Avec x par exemple, on trouvait x plus 2 le tout au carré pour le programme numéro 3, alors qu'avec le programme numéro 2, on trouvait x carré plus 2, qui est totalement différent. Programme suivant, choisir un nombre, multiplier par 3, diviser le résultat par 2. Et ajouter le double du nombre de départ. Donc on teste avec le nombre 4. 4 multiplié par 3, 4 fois 3 égale 12. Diviser le résultat par 2, 12 divisé par 2, ça fait 6. Ajouter le double du nombre de départ. Donc je prends mon 6 et j'ajoute le double du départ. Donc le double, c'est faire deux fois le nombre de départ 4. Donc 2 fois 4. On calcule 6 plus 8, puisque 2 fois 4, ça fait 8. Et 6 c'est 8, 14. Tester avec le nombre moins 4. Moins 4. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Moins 12 divisé par 2, ça fait moins 6. Moins 6 plus le double du nombre de départ, donc 2 fois moins 4. Sur la règle des signes, plus 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Moins 6, moins 8, moins 14. On trouve l'opposé du test A. Maintenant, on teste avec x. X, je multiplie par 3, ça fait x fois 3, c'est-à-dire 3x. 3x divisé par 2, 1,5x ou 3 demi 2x. Donc du coup, il va y avoir deux possibilités, mais qui donnent les mêmes résultats. Hein. C'est juste l'écriture qui change. 1,5x plus 2x, plus, parce que c'est le double du départ, égale à 3,5x. Je peux les additionner car ils ont tous les deux des x. Alors si on préfère la fraction, bah, ça fera 3 demi de x plus 2x. Du coup, il faut mettre sur le même dénominateur. Donc le 2x, pour qui lui faire apparaître la division par 2, il faut aussi le multiplier par 2 au numérateur. Donc ça nous fait 3x plus 4x
divisé par 2. 3x plus 4x, ça fait 7x, divisé par 2, donc 7 demi de x. 7 demi de x, c'est exactement pareil que 3,5x. Voilà ce qui conclut les programmes de calcul dans différentes situations, plus faciles ou plus difficiles. Ciao, et on se retrouve dans une autre vidéo.